entre autres en fait parce que c'est la non-binarité, c'est homme-femme, c'est les binaires, et non-binaire, c'est les personnes qui se sentent Ni homme ni ni femme. enfin moi c'est comme ça que je le comprends, que je le ressens. À la naissance, on te dit tu es une fille, et en fait tu te ressens comme un garçon, tu es trans. Mais moi, à la naissance, on m'a dit tu es une fille, et moi je me dis non, je ne suis pas une fille, mais je ne suis pas un garçon, donc je suis non-binaire. D'accord. Je passe encore une fois pour une femme cisgenre en fait, Une donc femme quoi? cisgenre. C'est qu'est-ce que c'est? Le cis, c'est quand tu t'identifies à ton genre assigné à la naissance. D'accord. Tu es une femme cisgenre. Donc je passe pour une femme cisgenre, du coup les gens sont dans la rue en mode ah bah c'est juste une meuf bizarre avec pas de cheveux et pas de sourcils. J'ai peur de juste genre devoir aller aux toilettes, genre dans genre centre commercial et tout, qui est genre homme-femme, et que je sois comme ça en mode genre que faire. Mais que ferais-tu? Bah je sais pas, parce que si je vais dans les toilettes des femmes, on va me dire bah non casse-toi, et si je vais dans les toilettes des hommes, on va me dire bah non casse-toi. Bah du coup c'est juste j'irai pas, j'irai aux toilettes avant de partir à la maison. Est-ce que tu penses, tu peux comprendre que c'est pas évident pour nous, c'est un chemin qu'il faut qu'on fasse, hein, qui doit être, qui va peut-être être au moins aussi compliqué que le chemin que toi tu as fait. Je comprends vraiment, parce que enfin je pense que c'est pas aussi dur quand c'est quelqu'un de ta famille, mais j'ai des amis trans que j'ai connus avant la transition, et je sais que ça prend un bout de temps avant de s'habituer à les genrer d'une différente façon ou d'utiliser un autre prénom. C'est pas facile puisque je viens, tu le sais, d'une famille très très traditionnaliste, très très classique, plutôt assez bourgeoise, et que tout ce qui sort du chemin tracé est un peu compliqué à assumer. Mais c'est dur, mais l'amour d'un parent doit prendre le dessus sur tout le reste.